En Haute-Loire, les 24 salariés du service de collecte des ordures ménagères de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay n'ont pas pris le travail hier. 17 d'entre eux sont en grève illimitée. Ils demandent la prise en compte de la pénibilité de leur travail en raison de l'insalubrité des tournées et de la complexité des collectes qu'ils effectuent sur les 28 communes de l'agglomération. Payés en moyenne 1200 euros pour travailler de 5h du matin à midi, ils souhaitent également une revalorisation de leur salaire. On écoute l'un de ces salariés. C'est un travail très pénible. Les tournées ont changé en 2011 voire 2012. Et maintenant, la collecte des déchets ordures ménagères n'est collectée qu'une fois par semaine. Et donc, quand il fait très chaud, vous voyez la salubrité, les odeurs, les mauvaises odeurs, les produits chimiques, les verres, etc. quoi. Et donc, les rippers, les vibrations du camion, les dangers environnementaux vu la circulation, tout ça cumule la pénibilité au travail.